J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Et c'est un vlog un petit peu spécial puisque ça va être un vlog pour tout mon séjour. Puisqu'en fait, comme vous le savez, je devais partir donc une semaine en mars à la montagne à Megève. Et je devais y retourner après tant d'années ne pas avoir y retourné. Et j'y retourne aujourd'hui, donc je suis un peu perturbé parce que je suis un peu avec ma maman, etc. Donc c'est un peu compliqué de vous filmer tout, donc c'est pour ça que je ne fais qu'un vlog. Et là je suis actuellement sur une aire de service totale. On est à 1 heure de Megève à peu près, on vient de faire 6 heures de route. Et voilà, je vais juste filmer cette introduction pour vous dire bienvenue dans ce nouveau vlog. Et c'est parti pour ce séjour de 5 jours, donc 4 jours de ski. Et voilà, je vous montre l'appartement dès qu'on arrive. Voilà. Ça c'est notre voiture qu'on a louée, c'est une Golf, elle est trop bien. Hello, bon ça y est, on vient d'en arriver, donc il pleut un petit peu, notre appartement se situe dans ce chalet et il est vraiment mais genre magnifique. Voilà, on va avoir une vue sur toute la vallée là-bas de l'autre côté, donc on est du côté du Jaillet à Megève et c'est genre topissime. Donc là je vais aller chercher mes valises, il pleut, c'est une grosse cata, il y a un temps de merde et il y a un temps de merde annoncé toute la semaine parce qu'on reste jusqu'à mercredi. Donc voilà, autant vous dire que c'est la cata. Normalement je devais skier aujourd'hui, on devait partir tôt ce matin, mais on n'a pas pu finalement, parce que manque d'organisation. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Bon je vous laisse, je enlève les affaires et puis voilà. Hello, bienvenue à Megève avec un temps magnifique. Il doit faire 3 degrés. Ah, 5 quand même, pas mal. C'est écrit sur le thermomètre. Et voilà. Logiquement, on aura ce temps toute la semaine. Donc, vous pensez que c'est du beau temps, hein, mais en fait, on voit rien. Genre. Parce que d'habitude, on voit plein de montagnes sur Megève. Hein. Mais. Il y a un temps de merde. Voilà, bon bref, je suis prêt, j'ai ma petite polaire Urban Fitters et le reste ça vient de chez Decathlon. On est bien. Et du coup c'est parti pour première journée de ski après 3 ans d'absence. Megève, I'm back. Voilà, donc aujourd'hui pour le programme je vais faire le Mont d'Arbois. Donc le Mont d'Arbois c'est là, mais vous voyez rien donc ça va lui montrer, mais voilà. Je vais aller me balader par là, je vais aller manger à la Folie Douce après, à midi. Et ensuite après j'irai faire le Jaillet, donc le Jaillet c'est toute cette partie là. Et c'est une partie que j'ai jamais faite, une partie de Megève que j'ai jamais fait. Parce qu'en fait pour y aller il faut prendre une navette, en fait c'est séparé, le village sépare le Jaillet et tout ce côté. Voilà, donc en fait là entre le domaine qui est là et le domaine qui est là, donc ça forme un seul domaine skiable, mais genre en gros ce coin du domaine puis ce coin du domaine sont séparés par un téléphérique et ce coin là est séparé par le village. Et en fait il y a des bus pour y aller. Et voilà, parce que le Jaillet, il y a des coins par là qui sont assez hauts, où il y a des belles vues et tout. Enfin, bon, là, on verra rien, mais genre juste pour les pistes, juste pour voir ce qu'ils ont.
Et voilà. Du coup, je vous souhaite la bienvenue dans cette première journée. C'est parti. Alors, on est bien arrivé au sommet du Mont d'Arbois et en fait tout ce que vous avez là, bon, on le voit pas très bien, mais c'est le Mont Blanc. Donc ça, c'est le bas du Mont Blanc. Donc, voilà. Là-bas, c'est le Bétex de Saint-Gervais et par là-bas, c'est le Mont Joux et le Mont Joly. C'est là où je vais aller tout à l'heure pour manger. Et voilà, là, il y a un vieil hôtel qui est abandonné. Donc voilà. Dans le télécabine, je rentre à l'appartement parce que voilà, vive les coutures Décathlon. Et en plus, j'étais dans le téléphérique et j'ai failli perdre mes bâtons. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu des problèmes comme ça au ski. J'en ai eu des problèmes, hein. Je suis tombé pas mal de fois. Des fois, je suis resté coincé dans des pistes. Une fois, j'ai dévalé une piste comme un toboggan. Ça m'est arrivé, hein. Mais alors là, franchement, ça, vous voyez, ça c'est l'aventure encore. Vous voyez, ça c'est des petits trucs, ça, c'est marrant limite. Ça fait du bien. Ça, vraiment, franchement, ça énerve. Franchement, les coutures Décathlon, ça énerve. Bref, du coup, je vais rentrer à l'appart. Je vais essayer de vous vlogger un peu parce qu'après, je vais aller faire quelques shoots de Megève pour mon compte pro. Et ensuite, ce soir, on va faire des courses avec ma maman et on va faire une raclette. Donc voilà. Et je pense pas que je vais trop vlogger parce que en fait c'est compliqué de vlogger quand je suis avec de la famille quoi. Genre je galère à vous faire des bons vlogs parce que du coup comme je suis en famille j'aime aussi en profiter un peu. Je veux pas trop exposer, ni je ne veux pas exposer mes parents et je ne veux pas exposer ma vie privée. Donc bon c'est compliqué. Mais bon c'est pas grave écoutez voilà. Et puis pour les pantalons ce sont des choses qui arrivent hein, on va positiver. Voilà. Bref je vous retrouve à l'appartement ou alors je vous retrouve demain. Je ne sais pas. Donc voilà, mais sinon c'était un écoutez pour l'instant, c'était une bonne journée, bonne condition, j'ai mangé à la folie, tout ceci, c'est grave grave bon, j'adore ce resto, putain. Bon c'est une cafétéria, mais enfin ils ont un restaurant à côté, mais genre c'est comme endroit, c'est le pied. Et sinon franchement il y a des bonnes conditions, ça va, la neige est pas trop dégueulasse. Après bon c'est chiant, il y a la pluie, il y a la grêle, du coup c'est un peu casse-couille pour skier, mais voilà. Et sinon c'est tout. Bon bref, je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Petite balade dans le village avec un petit shoot pour le compte pro. Et voilà, j'essaie de vous faire quelques timelapses parce que j'en avais pas fait quand j'étais venu il y a 3 ans. Donc voilà. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le... Alors c'est le quatrième, c'est notre quatrième jour avec ma maman et c'est mon troisième jour de ski. Et aujourd'hui c'est le seul jour où il y a du soleil. Voilà, c'est formidable. Bon, je suis désolé pour le bruit que vous entendez, il y a un petit chantier à côté de notre appartement. Enfin rien de mal hein, parce que bon on n'a pas toute la nuit non plus le bruit. Mais voilà, du coup il fait un très beau soleil aujourd'hui. Bon, je suis plutôt content en tout cas. Donc voilà, avec quelques petites brumes hein. Voilà, on dirait que je présente la météo encore une fois. Pedro météorologue, c'est super.
Et voilà, donc aujourd'hui le programme, bah, du coup on va manger sûrement en terrasse vu le temps qu'il fait, en espérant que les terrasses soient ouvertes des restaurants. Et ensuite on va aussi, bah, moi je vais continuer un petit peu à skier, je vais revenir un peu au même endroit, côte 2000, tout ça. Et cet après-midi je vais aller à Saint-Nicolas-de-Véros, c'est à côté de Saint-Gervais. C'est des pistes plutôt sympas mais c'est assez loin et du coup voilà, il faut un petit peu de force quand même pour y aller mais ça va. Voilà. Bref, du coup, bah, je donne un moment et puis on va y aller. Bienvenue dans ce nouveau jour. Alors aujourd'hui, conditions magnifiques. Donc là-bas, on a le Mont Blanc. Et là-bas, regardez, je sais pas si vous allez la voir. Un petit point par là. Quelque part par là, je vois pas avec mes lunettes, mais... Attendez. Elle est là, je crois. Il y a une montgolfière quelque part là-bas, mais j'arrive pas à la voir. On la voit pas. Bon, bref, c'est pas grave. Hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour à Megève. Avec un temps de chiasse clairement, donc voilà, pour ce séjour au ski on a eu que un jour de beau temps. Voilà, j'avais déjà eu des semaines comme ça de merde quand je suis venu, mais là franchement un jour de beau temps, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Donc du coup aujourd'hui je voulais essayer les pôles et le Mont Joli. Le Mont Joli c'est le sommet du... En fait c'est le sommet, c'est vraiment le point culminant du domaine évasion. Mais il y a un petit problème, c'est que bah vu le temps c'est un petit peu risqué. Voilà. Enfin bon là il y a quelques nuages, il y a quelques éclaircies mais c'est pas... Ça reste assez risqué du coup je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, je tiendrai au courant si je monte ou pas. Sinon je vais aller du côté de Saint-Nicolas-de-Véros parce que j'ai pas encore été. Et pour finir j'irai du côté de la côte 2000 je pense. Pour finaliser ce séjour donc voilà. Et après bah, on va prendre la voiture et puis on rentre, la voiture qui est stationnée là-bas d'ailleurs, voilà. Voilà, on va avoir bien du mal à la sortir. Donc voilà, j'ai l'air de mauvaise humeur, mais en même temps, vu le temps, ça peut se comprendre, je pense. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière journée. Bon les amis, je sors de la feuille douce, j'ai pris un café. Et record d'altitude battu, je suis allé à 2134 mètres à l'épaule. Mais je n'ai pas encore fait le point culminant qui est le Mont Joli. Comme je vous l'avais dit, bah, je vais tenter de la... Je vais vous montrer où c'est l'épaule parce qu'on la voit un petit peu là. Les conditions s'améliorent. Mais voilà, record battu déjà d'altitude, donc je suis fier de moi. Puis j'ai descendu une piste un peu trop, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et voilà, donc je vais vous montrer le pôle en fait. Je sais pas si vous verrez très bien, mais en fait c'est par là-bas. Donc j'ai mon petit doigt là voilà. Et là du coup je vais tenter le Mont Joli, c'est très haut, j'attends que les conditions s'améliorent un petit peu, donc je vais descendre une petite piste en attendant. Et après on tente d'aller là-haut, je vous filme si je vais là-haut. Je vous promets rien mais bon, normalement ça devrait se faire. On y croit. On croise les doigts pour qu'il m'arrive rien. Les amis, bienvenue au Mont Joli, je suis... Faut prendre son temps pour respirer ici, je suis à 2525 mètres d'altitude. Je suis au point culminant du domaine Évasion Mont Blanc, de Saint-Nicolas-de-Véros, de Saint-Gervais et de Megève. C'est un truc de dingue. Bon, je vais pas tarder à redescendre parce qu'on peut pas rester longtemps, mais... C'est un truc de dingue. Je suis fier de moi. Je l'ai fait, putain. Voilà, un de mes rêves réalisés. Un de mes objectifs de ski réalisé. Record d'altitude atteint.
Dégustation épisode de 50 000, vu qu'on l'a déjà faite. Ouais, ça va. Juste que c'est chaud en fait.